Belle journée à toutes et à tous. De temps en temps, j'aime bien vous faire un point de ce que lit ma fille de deux ans. Et aujourd'hui, je pensais que c'était une bonne occasion puisqu'on a accumulé en six mois, depuis le début de l'année, dix nouveaux ouvrages. C'est de ces ouvrages que je souhaite vous parler aujourd'hui. Alors, ces ouvrages, ils ont été ou offerts, ou achetés, euh, achetés neufs, ou chinés d'occasion. Et donc, je vais vous préciser un peu tout ça au fur et à mesure que je parcours les ouvrages. Comme ça, vous pourrez voir si vous pouvez vous les procurer vous aussi, euh, s'il vous plaît, et que vous avez des enfants, euh, ou euh, vous-même, ou dans votre entourage. Donc, tout d'abord, il y a un livre qui a fait l'unanimité à la fois auprès des parents de mon mari et moi, et de ma fille. C'est Voyage au clair de la lune de Zana Davidson et de Seo Kim paru aux éditions Kiman, donc c'est un livre pop-up. J'ai un petit peu hésité avant de l'acheter, c'est moi qui été le l'acheter en librairie. On a une librairie indépendante pas, chez loin... pas très loin, pardon, de chez nous qui le proposait et j'ai hésité parce que les pop-up, tout le monde le sait, c'est fragile et les enfants de deux ans, tout le monde le sait, c'est pas très soigneux. Donc on verra combien de temps ce livre survit. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait quelques mois qu'on l'a, et en faisant bien attention et en, en surveillant bien notre fille quand elle y touche, pour l'instant, le livre est indemne. C'est plutôt encourageant. C'est un livre qui est paru en 2021 pour, pour l'info, donc il devrait être encore facilement trouvable. Euh, donc, Voyage au clair de la lune, c'est l'histoire en pop-up d'une petite fille qui fait un rêve merveilleux dans lequel euh, elle est sur un bateau au milieu des flots, puis un dragon vient la sauver d'une tempête et l'emmène cueillir des étoiles, la sauve de monstres, euh, l'emmène dans l'espace, enfin euh, près de la Lune. Donc il y a toute une série d'images très jolies qui euh, s'ouvrent devant nos yeux. Donc j'ai essayé de vous trouver des photos pour vous les mettre. Euh, moi quand je prends des photos, la qualité n'est pas tip top. Donc euh, voilà. J'ai essayé de vous trouver quelques images. Et, euh, et voilà, c'est le truc que ma fille adore. Alors, ce qu'elle adore, c'est la page des monstres en particulier, et c'est de faire bouger les éléments plutôt que l'histoire en elle-même. Le texte, ça lui passe un peu au-dessus de la tête, alors que d'habitude, elle adore les, les récits, elle adore qu'on lui dise les, les textes et qu'on lui dise aussi comment ça s'écrit, etc., les lettres. Mais là, Vu qu'il y a les pop-up, c'est vraiment euh, l'attraction phare du livre. Le deuxième livre qu'on aime beaucoup, peut-être un peu plus les parents que ma fille pour être honnête, c'est Une année en poésie. Un poème à partager chaque jour, c'est le sous-titre. Ça a été sélectionné par Emmanuel Leroyer et c'est illustré par Fan, Fran pardon, Preston Ganon. C'est paru chez Gallimard Jeunesse. Et donc ce livre-ci... Il est paru, je vérifie en l'ouvrant tout de suite, mais assez récemment aussi, il est paru en 2020. Donc vous pourrez aussi, à mon avis, le trouver assez facilement. Euh, C'est un livre, pour le coup, qu'on a commandé sur Internet, puisqu'on avait des, des tickets cadeaux et que du coup, euh, ben on a vu ce magnifique ouvrage. Pardon, je l'ai ouvert, ça fait un petit bruit. On a vu ce magnifique ouvrage. Donc les illustrations sont vraiment très agréables, sont très poétiques, très oniriques. Euh, donc comme son titre l'indique, ce sont des poèmes. On a un poème pour chaque jour de l'année. Et donc c'est devenu un rituel du coucher. Quand ma fille euh, va se coucher le soir, elle demande son poème du jour. Donc la liste des auteurs est vraiment très diversifiée. Donc il y a des auteurs euh, étrangers, il y a des auteurs français, il y a des auteurs d'un peu tous les, tous les siècles. Par exemple, on a euh, Lamartine, euh, on a François Villon, euh, on a Victor Hugo, Apollinaire, euh, Maupassant, euh, on a aussi, vous savez, tous les, <laughs> tous les auteurs euh, qu'on lit quand on est petit, euh, euh, donc euh, Maurice Carême, euh, euh, voilà. Et d'ailleurs, ce sont les poèmes que préfère ma fille. Euh, moi, j'aimais pas trop les apprendre quand j'étais en, en primaire et euh, ou les Robert Desnos, tout ça. Et en fait, euh, pour les enfants, ça marche particulièrement bien pour les plus jeunes, en tout cas, parce que c'est très sonore, c'est très euh, rythmique ou rythmé, je ne sais pas comment on dit. Je ne suis pas une spécialiste de la poésie. Et euh, ce sont les poèmes qu'elle préfère, euh, ceux qui ont beaucoup de répétitions. Plutôt que les grandes envolées lyriques de Victor Hugo ou euh, de Baudelaire, ça la laisse un petit peu euh, euh, froide, on va dire. Mais les illustrations, en tout cas, détournent son intérêt quand, quand c'est ce, ce type de poème qui est à l'ordre du jour. Elle fait toujours euh, attention aussi à l'illustration, et donc ça permet de lui lire des textes qu'on ne lui irait pas forcément euh, autrement. Et euh, nous, en tant que parents, bah, hein, c'est l'occasion de profiter d'un petit moment de poésie. Surtout que c'est toujours en rapport avec les saisons. Il euh, y a toujours euh, voilà, ou un animal ou un élément naturel. C'est vraiment euh, très en lien avec euh, le passage du temps, le passage des saisons, euh, les feuilles qui tombent, la neige, etc. Donc c'est bien aussi pour ça. Autre livre. Un autre livre qu'aime qu bien ma fille. Euh, c'est un livre avec des flaps, donc ça fait déjà des flaps à soulever en fait, c'est des languettes euh, qu'on bouge, qu'on peut soulever et derrière il y a des nouvelles images, de nouveaux textes. Donc ce livre avec ces flaps euh, dont je vous parle s'appelle L'école maternelle, en particulier celui qu'on a choisi pour ma fille, dans la collection des dos curieux, paru aux éditions Fleurus. Euh, c'est un livre qui est paru également euh, récemment puisqu'il est paru en 2021, donc vous pourrez aussi le trouver. Euh, L'idée, c'est d'écrire le quotidien d'une classe de maternelle, des enfants de maternelle, qu'est-ce qu'ils font à l'école maternelle, puisque ma fille va y rentrer en septembre, on se disait que c'était pas mal, qu'elle ait un aperçu ludique de ce que ça pouvait être. Et là, c'est vrai que c'est assez ludique. Sur la page de l'accueil du matin en école maternelle, on a un, un petit flap qu'on peut soulever. Et on voit les enfants du coup mettre leurs cartes euh, avec leurs photos euh, sur le tableau de présence. Euh, on voit qu'il euh, y a des livres dans la bibliothèque et quand on soulève un flap, il y a une petite fille qui est en train de lire, ce genre de choses. Donc le, les flaps, c'est un peu comme les pop-up, c'est un peu risqué avec les petits. Euh, là, on en a déjà un qui s'est décollé, mais pour être honnête, il était déjà un peu décollé quand on l'a pris en librairie. On s'est dit que de toute manière, on serait amené à recoller euh, 100 000 fois les différents flaps, donc que c'était pas très grave, que c'est pas ça qui allait nous... nous empêcher de prendre cet exemplaire, surtout que c'était le seul qui y avait en rayon. Euh, mais voilà, c'est pas forcément du fait de ma fille uniquement, c'est du fait de plein de petites mains qui ont dû essayer les flaps, et peut-être de grandes mains aussi qui les ont essayées en, en rayon. Et pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, en fait, qui se sont euh, décollées. Donc c'est aussi plutôt un bon point, surtout que. Contrairement au livre pop-up qu'on peu, euh, dont on a modéré l'utilisation, on va dire, celui-là on l'a vraiment laissé en libre accès et ma fille l'a un petit peu violenté, on va dire, euh, enfin, l'a lu comme euh, lit un, un enfant de deux ans, donc avec ardeur et, euh, <laughs> et peu de soin. Ensuite, on a un autre livre qu'on a commandé sur Internet parce que je suis enceinte et qu'on s'était dit que c'était pas mal d'avoir un livre qui expliquait euh, en des mots euh, simples ben, qu'est-ce que ça voulait dire. Donc le livre qu'on a sélectionné, c'est Il y a une maison dans ma maman de Gilles Andrea et de Vanessa Caban, paru chez Gauthier et Langereau. Donc c'est un livre, une nouvelle fois, paru il n'y a pas très longtemps, en 2020, si je ne me trompe pas, je vous, je vous corrigerai, je vous mettrai un indicateur si je me trompe. Je pense qu'il date d'il y a beaucoup plus longtemps parce que j'en avais déjà entendu parler avant, mais il doit y avoir une réédition récente. Et donc, c'est un livre qui explique qu'il ben, y a un petit être humain dans la maman et que, en gros, c'est comme si maman avait une maison à l'intérieur d'elle où le bébé était dans une baignoire, où il avait accès à un tuyau pour pouvoir manger, que maman était très fatiguée parce que ça fatiguait d'avoir une maison dans le ventre quand même. Euh, bon, c'est pas la, forcément la manière que j'aurais choisie pour expliquer tout ça. On n'avait pas eu l'occasion de le feuilleter. Euh, ma fille aime plutôt bien, même si elle est surtout attirée par la frise murale qu'il y a sur toutes les <laughs> images de, de ce, comment dire, de ce livre, parce que c'est des gens qui vivent dans une maison avec apparemment une tapisserie avec une frise murale, euh, avec des tambours, des fleurs, des choses à regarder. Donc son attention est pas mal focalisée là-dessus et moins sur le côté femme enceinte et bébé, euh, mais bon, on, on s'était dit que c'était pas mal de l'avoir quand même. Je ne sais pas si vous de votre côté vous avez déjà eu affaire à ce genre d'ouvrage et s'il y en a qui sont plus ou moins bien. En tout cas nous c'est le seul qu'on a essayé. Ensuite on a un livre qu'on a reçu de l'abonnement à l'école et loisirs Titou Max de ma fille via la crèche et c'est le Grand Lit de Léon, d'Émile Jadoul. Donc c'est une édition spécialement prévue pour euh, l'école des loisirs, mais en général, c'est des livres qui sont parus il y a quelques années, qui sont encore disponibles. Euh, je crois que celui-là, si je regarde, euh, il a dû paraître en 2022 à l'école des loisirs et en 2020 euh, en format hors école des loisirs, je pense. En tout cas, c'est l'histoire de deux petits euh, manchots. Donc il y a Léon et il y a son frère Marcel, si je ne me trompe pas. Et donc Léon a accès à un grand lit, mais son petit frère, lui, doit encore être dans un petit lit, et donc euh, ben, il n'est pas très content. Donc c'est plutôt pas mal pour la transition vers un lit sans barreau, et puis aussi pour montrer un petit peu la jalousie avec le frère ou la sœur. Euh, ma fille aime, aime bien. Donc elle nous le commande pas trop, mais euh, elle le demande souvent. Donc c'est la preuve que ça marche, que c'est un livre efficace pour les petits. Ensuite, il y a deux livres que ma fille a reçus à Noël qui sont de la même série qu'elle n'avait pas lu au tout début et qu'en fait là en début d'année elle a ressorti. Euh, ce sont des livres publiés par BV Éditions. Donc il euh, y en a un, c'est Colvert, voit bien plus clair, et l'autre Barnabé se trouve là. Les deux livres sont euh, des mêmes auteurs-illustrateurs, donc Sabine Ballery et Valérian Venet. Euh, donc il y a d'autres livres dans, la, dans cette collection. Euh, ils sont parus en 2021, tous les deux, il me semble. Oui, tous les deux, je confirme, <laughs> en vérifiant. Et donc, euh, ce sont des livres qui décrivent euh, les aventures d'animaux qui sont dans la forêt. Donc Colvert, lui, qui euh, ben, a un des problèmes de vue et ça lui attire plein de mésaventures, enfin, il tombe dans des trous, il ne reconnaît plus ses amis, ses amis sont vexés, enfin ça lui cause plein de problèmes. Et puis il y a Barnabé qui devient un petit peu dépressif parce que soudainement il réalise que quand même les crapauds, ben c'est pas super beau, et que ben lui, il se sent un peu euh, du coup attristé d'être oscillé. Et euh, bien évidemment, les situations euh, vont dans les deux cas se résoudre. Euh, tout finira bien euh, pour eux. Euh, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des illustrations sur chaque page et qu'il euh, est possible de chercher des détails des illustrations. C'est-à-dire que sur la page, par exemple, 6, vous avez une petite araignée. Et donc ça, ça vous dit que quand vous tournerez la page il y aura une petite araignée sur la grande illustration. Et donc, à chaque page, il y a la grande illustration à regarder et à retrouver l'élément qui était indiqué en indice dans la page précédente. Et il y a la petite illustration à regarder pour avoir un indice de ce qu'il faut chercher sur la page suivante. Donc, euh, il y a à la fois du texte et du jeu. Euh, C'est assez ludique. Donc, ma fille adore à la fois écouter l'histoire et euh, retrouver. Les tout petits éléments, et parfois ils sont vraiment minuscules et bien cachés dans les grandes illustrations. Donc, ensuite, il y a un livre qui nous a été offert euh, par une de mes collègues, qui est un livre pour le coup qui est paru il y a un petit peu plus longtemps, puisque c'était un livre de ses enfants, mais qui est encore totalement euh, disponible, puisque c'est un livre de la, conna... de la collection pardon, Ernest et Célestine qui se retrouve assez facilement donc, par euh, Gabriel Vincent qui, euh, qui a écrit euh, donc, les Ernest et Célestine là c'est Ernest et Célestine ont perdu Siméon aux éditions Casterman et donc comme son nom l'indique eh c'est euh, Célestine qui a perdu son doudou Siméon et c'est la tragédie, elle en veut beaucoup Ernest parce que euh, voilà, il voulait qu'elle sorte euh, avec lui euh, dehors et donc euh, à cette occasion ils ont perdu Siméon et lui Ernest, il est un petit peu triste et il va essayer de résoudre la situation. Il n'y a pas beaucoup de textes comparé aux autres ouvrages. Il y a surtout beaucoup d'illustrations. Euh, bien sûr, la perte d'un doudou, c'est assez traumatisant et même si c'est jamais arrivé à ma fille, eh bien cette histoire lui a fait beaucoup peur et l'a beaucoup, euh, comment dire, la première fois que je l'ai lu, elle était vraiment à fond dans l'histoire. Euh, vraiment en empathie avec euh, la petite Célestine, ce qui était assez mignon. Et euh, donc, c'est un bon plan euh, pour préparer peut-être psychologiquement aux, les enfants au fait que ben, peut-être un jour, ils vont perdre leur doudou. Ou alors... Euh, ben... Non, s'ils ont perdu leur doudou, je ne sais pas si je pourrais le conseiller, parce que Ernest a recours à une solution qui demande d'être euh, bon en couture, euh, d'être assez débrouillard. Et donc, si vous-même, en tant que parent, vous ne vous sentez pas de mettre en œuvre la solution euh, d'Ernest... Je ne sais pas si c'est le bon plan d'offrir ça à un enfant qui vient de perdre son jouet parce qu'il s'attendra à ce que vous fassiez pareil et euh, ben bah, faut assurer derrière. <laughs> donc, les deux derniers livres dont je voulais vous parler, ce sont des livres qu'on a trouvés d'occasion. Donc je pense qu'ils vont être un peu plus durs à trouver. Donc il y a notamment euh, un petit ours brun, donc on ne présente plus euh, Petit Ours Brun, avec ses nombreux dessins animés, déclinés en. Euh, plein de plein d'histoires. Euh, vous pouvez le retrouver dans les magazines Poppy et Pomme d'api, au moins dans cela. Et je crois qu'il a ses magazines. Euh, enfin, je suis sûre même qu'il a ses magazines standalone, rien que pour lui. Euh, donc là, c'est une énième histoire de Petit ours brun et son pot. Euh, là, plus précisément, c'est Petit ours brun vide son pot. Donc les dessins euh, ben, de Daniel Bourg, comme la plupart euh, du temps. Euh, là, le texte est de Claude Lebrun. Et euh, de l'équipe de rédaction de Pomme d'Api. Et donc, c'est un livre qui est paru aux éditions du Centurion en 1991, apparemment. Donc, euh, voilà, vous ne trouverez sans doute pas exactement la même édition ou la même histoire, mais il y a plein de petites histoires de petits ours bruns sur le pot. Je crois que nous, on est déjà à la troisième ou la quatrième. Et euh, ma fille ne veut toujours pas aller sur le pot, donc on, <laughs> on va continuer les histoires de gens qui, eux, vont sur le pot. Et on va voir si ça finit par marcher. Enfin, euh, le dernier livre d'occasion, c'est un livre d'une série dont on a plusieurs ouvrages à la maison parce que j'adorais quand j'étais petite. C'est la collection, euh, la, le, les ouvrages en question sont de la collection Cherchons les mots des éditions Emma de la fin des années 80, début des années 90. Euh, et du coup, c'est euh, là plus précisément un ouvrage qu'on a trouvé en boutique d'occasion. Je cherche les mots avec Nicolas le Renard. Euh, le scénario est de Jacqueline Reynaud et c'est illustré par Michel Reynaud, comme les autres livres de cette collection. Et euh, voilà, c'est l'histoire là, dans ce cas, d'un renard qui va à la plage et il lui arrive plein de euh, bonnes aventures, mais aussi de malheurs. Euh, ce qui est bien, c'est que euh, c'est ce genre de livre où vous avez des petites illustrations dans le corps du texte et donc vous pouvez lire à deux voix. Vous pouvez commencer à lire et puis faire deviner le mot, ou plutôt l'illustration à votre enfant, qui va du coup pouvoir lui aussi lire en juste disant les mots qui correspondent aux illustrations. Donc, le, le mot qui correspond à l'illustration n'est pas écrit sous l'illustration d'elle-même. Si vous avez un doute en tant que parent, vous pouvez vous reporter à la couverture. Tous les mots sont, toutes les illustrations sont décrites à ce moment-là. Que, par exemple, vous voyez qu'un cerf-volant est un cerf-volant, que l'espèce de bateau qui est page, je, je dis n'importe quoi, 6 est un canoë. Ou en tout cas c'est comme ça que l'auteur a prévu que vous l'appeliez. Et euh, voilà, moi ça marchait très très bien quand j'étais petite, j'en garde des très bons souvenirs, et ça marche à nouveau très bien avec ma fille. Alors, c'est pas forcé de prendre cette vieille collection, il y a plein de livres où on peut chercher les mots de cette manière. Euh, des collections plus récentes, mais en tout cas, comme elle avait déjà apprécié les ouvrages de la même collection et qu'on avait trouvé un tome supplémentaire en librairie, en boutique d'occasion, c'était l'occasion justement euh, d'enrichir de, euh, ben, euh, notre euh, collection euh, de Cherchons les mots. Donc voilà pour cette vidéo qui est un peu plus longue que ce que je pensais. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté, euh, ennuyé avec ces. ces commentaires sur des livres jeunesse, euh, tout petit, tout petit pour le coup, euh, et que voilà, ça peut vous donner des idées. Honnêtement, le livre sur les poèmes, c'est un livre que moi j'adore en tant qu'adulte, une année en poésie, donc voilà, il y a des choses qui peuvent se lire beaucoup plus vieux, et puis même Voyage au clair de la lune, j'ai jamais eu le droit d'avoir des pop-up quand j'étais enfant, et j'avoue que c'est un, un vrai plaisir de pouvoir enfin avoir un livre avec des pop-up donc euh, certes, je ne vais pas le regarder avec autant d'intensité que ma fille, mais il y a quand même une part d'émerveillement même quand on est adulte. Je vous souhaite une très bonne journée à nouveau, de bonnes lectures et euh, je vous ferai un point euh, peut-être en fin d'année un nouveau point lecture jeunesse euh, si ça vous intéresse, si ça en intéresse certains. Et surtout, je vous souhaite en attendant de bonnes lectures. À bientôt.